Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour quelque chose de très fort ce soir? Non, dirais votre amen n'est pas encore convaincant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt d'être transformé, puissé, changé, avancé? Alors donne-moi ton plus fort amen jusque là. Alléluia. Lève ta main. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont connectés en ligne. Soyez la bienvenue. Lève ta main partout où tu es, partout où tu es connecté, partout dans le monde. Lève ta main et dis merci à Dieu. Et demandez à Dieu de te donner une semence ce soir avant que tu ne quittes ici. Une semence est la différence entre une femme et une mère. Une femme reste jeune femme, femme, jusqu'à le jour où quelqu'un va lui donner une seule semence et puis elle devient une maman. Et la parole nous dit, maintenant écoutez la signification du parabole, la parole c'est la semence. Alors parle à lui et dis-lui, Seigneur, donne-moi une semence. We bless you. Nous te bénissons. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Alors, aie pitié de nous. Et bénis-nous one more time. One more time. Une fois encore de plus. Que nous soyons bénis, transformés, changés, propulsés au nom puissant de Jésus. Merci 100 millions de fois pour ce magnifique privilège. Pour moi d'annoncer ta parole et pour nous de recevoir la semence. Que la vie de quelqu'un soit changée ici. Que l'avenir de quelqu'un soit transformé ici. Que la grâce de quelqu'un augmente ici. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta bénédiction et ta grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, une fois encore de plus, je vais vraiment bénir le Seigneur. Et on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué de célébrer Dieu pour la vie de son oin. Et on n'est pas fatigué. Bon, peut-être si toi tu es fatigué d'entendre, dès que tu vois que quelqu'un commence, j'ai pris le micro, tu peux sortir comme si quelqu'un t'a appelé. Et c'est très urgent. On le fait tout le temps. Donc tu sors, tu me donnes 5 minutes, 5 à 10 minutes. D'accord? Et puis après, tu peux revenir. Parce que, look, on sait ce qu'on a eu auparavant. Donc, je ne sais pas, bon, ceux qui sont ici, on dirait que vous n'êtes pas encore. C'est ici la grâce se trouve aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, on sait ce qu'on a eu auparavant. Et maintenant, on sait, c'est la grâce est ici. D'accord. Yes. Non, on sait ce qu'en fait, on sait ce qu'on a eu auparavant. Le type de pasteur qu'on a eu auparavant. Le type de père spirituel qu'on a eu auparavant. Et maintenant, nous voyons clair le type de grâce que Dieu nous a donné. Le type de père que Dieu nous a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. You know, et si, en fait, je ne veux pas dire quand, mais. Je ne vais pas dire si, mais quand la bénédiction de Dieu sur ta vie sera vraiment évidente et tu vas commencer à voyager dans les autres pays. Oui. Non, ceux qui sont ici, on dirait la grâce est ici parce que c'est ici que j'ai entendu l'amen. C'est-à-dire qu'ils pouvaient même sentir que même dans le discours, il y a une prophétie à l'intérieur. Mais quand vous allez commencer à voyager, quand vous allez commencer à voyager dans les différents pays, dans les différentes nations, c'est là que vous allez commencer à vraiment apprécier la grâce particulière sur la vie de Papa Pasteur Manoud. Yes.
que tu peux arriver à Bamako, dans une ville où il n'y a presque rien, soleil et poussière. Et puis tu peux rentrer, tu te rends dans la cour de l'église. Et c'est comme si tu as été transféré d'Afrique en Europe. C'est-à-dire, il n'y a absolument rien, il n'y a absolument rien dans la cour de l'église qui donne le saveur d'Afrique. Absolument rien, absolument rien. Yes. Priez que la grâce de Dieu te localise pour que tu commences à voyager dans les différents pays. Et puis là, tu commences, tu comprends. C'est facile, ami, bon, c'est pas assez facile que ça. Mais c'est une chose très puissante d'avoir une grande église et de manager une grande église à un seul endroit. Mais d'avoir des fils, de mettre au monde des fils. En fait, c'est quand tu commences à mettre au monde des fils qu'on voit quel type de ADN tu as. Oh non, quand tu es jeune, tu penses que non, tout est ok. C'est quand ta femme ou ton mari, ami, quand vous allez commencer à faire des enfants, que tu verras vraiment le type de comportement que ta femme a eu depuis qu'elle était petite. Ou le type de comportement que ton mari a eu. Jusque là, la façon il est galant, tu vois, le Saint-Esprit a tellement travaillé sur lui que tu ne vois pas les choses. Maintenant, quand les enfants commencent à sortir et ils transportent les ADN avant que le Saint-Esprit l'a touché, c'est là que tu verras que non. La sœur chrétienne n'était pas comme ça. Est-ce que vous êtes ici? Donc quand tu commences à voir, en fait, quand tu commences à voir les types de fils que Pasteur Mohamed a mis au monde et les types de filles que Pasteur Mohamed a mis au monde et ce qu'ils sont en train de faire partout dans le monde, c'est là que tu commences à respecter appropriément la grâce et le type et la qualité d'onction qu'il transporte. Donc quand nous sommes là pour bénir Dieu pour la vie d'un tel père, you know, un tel serviteur de Dieu, bon, si ça te dérange, c'est pas mon problème. Le jour ça sera ton tour de toucher Moukro, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais il y a certains d'entre nous sommes extrêmement heureux que Dieu nous a donné un veillant chien. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie de Pasteur Mohamed Salomon et Pasteur Lien Salomon? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné ce chant de paix? Alléluia. Alléluia. Amen. Montre-moi ton père, je vais te montrer ce que tu es capable de faire. Montre-moi ton... En fait, on chante ces chants, on chante ça tellement, mais on ne prête pas attention au monde. Et ça dépend de qui est ton... En fait, on les chante comme un chant, tu vois, mais quand tu réfléchis sur le mot, ça dépend en fait. Est-ce que tu as vu l'enfant d'un président, même si son papa n'est plus président? Est-ce que tu as vu l'enfant de même un ex-président en train de mendier sur la route? Ça dépend vraiment de qui ton papa est. La vie que ton papa fait sur la terre détermine le chemin qui est tracé pour toi. Et tu vois, si on devrait juste courir sur le thème et dans les choses physiques, certains d'entre nous en sera dans le désavantage. Parce que quelqu'un comme moi qui est né de bidonville d'Accra, et si on chante ces chansons, ça dépend de qui tu... Pardon, il ne faut pas m'énerver, il ne faut pas dire ce genre de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes transformés et transférés du royaume ténébreux au royaume de la lumière. Donc maintenant, tous les déficits qu'on n'a pas dans le monde, Dieu a donné une récompensation dans la maison de Dieu. Alors je vais chanter ces chansons avec fierté, avec courage, parce que ça dépend de qui mon papa est. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Look, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur encore? Yeah, yeah, bata. Sa vie et son ministère, c'est toute une école. Sa vie et son ministère, c'est toute une école. Même si tu as raté l'étude universitaire, juste étudier la vie et ministère de Pasteur Mohamed, ça peut compenser pour tout ce que tu as raté à l'école. Oh, je vous assure. Oh yes, oh yes, oh yes. Alléluia.
et nous sommes fiers de faire partie de cette commission. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur et prenez votre place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Genèse chapitre 49, ça a été notre verset de base depuis dimanche, la prééminence. 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Amen. Reuben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Et l'une des choses que nous avons appris depuis ce week-end, que le fait que tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance, ça veut dire absolument rien. En fait, les choses que Dieu a données à la nature, naturellement, les choses que Dieu a données à certaines personnes, malheureusement, est la raison pour laquelle ils n'avancent pas. Parce que le fait que peut-être Dieu t'a rendu extrêmement joli, tu as l'impression que c'est la raison pour laquelle c'est toi qui vas se marier. Mais il faut faire un tour à la mairie. Tu vas découvrir que ceux qui sont bien sapés là, ce n'est pas eux qui vont se marier ces jours-là. Amen. Donc ta beauté n'est pas suffisante. Si tu parles bien français, ce n'est pas suffisant. Supérieur en dignité, supérieur en force. Look, qui connaît quelqu'un qui était tous les temps la première position, hein, qu'il était en première position depuis CP1, CP2, CE1, CE2. Qui connaît quelqu'un comme ça? C'est-à-dire que depuis tout le corps primaire, la personne, c'est pas toi. Si c'est toi, il ne faut pas lever ta main. Qui connaît quelqu'un qui était en première position depuis l'école primaire, école secondaire, mais ce n'était pas toi? Lève ta main, je vais voir. Qui connaît quelqu'un qui était répétitivement, chaque fois on annonce, on annonce à la fin des trimestres, on annonce qui? Les différentes positions. C'est cette même personne qui est en première position, deuxième. Lève ta main si tu connais quelqu'un comme ça. Maintenant, toutes ces personnes, ils sont où? Hein? Parce que quand on était à l'école primaire, on a pensé que c'est eux qui vont diriger le pays. Bon, actuellement, il y a certains qui sont à Djamé quelque part. Hein? C'est vrai, n'est-ce pas? Yeah. Moi, j'avais échoué en français. J'avais échoué en français. Mais c'est moi qui suis en train de prêcher en français. Yes. Donc, supérieur en dignité et supérieur en puissance, ça veut dire absolument rien. Ça veut dire absolument rien. Il dit, mais impétueux. Donc, tu vois que peu importe la force et peu importe la grâce que Dieu te donne, peu importe les choses naturelles. Parce que Reuben, qu'est-ce qu'il avait naturel? Il est le fils aîné. Donc, naturellement, le droit d'aînesse lui revient. Le fait que tu as été beaucoup discipliné ne dit pas que c'est toi qui vas avancer. En fait, une autre chose aussi qu'on voit dans ce verset, qu'il y a quelque chose qui peut neutraliser toutes les forces que tu as et tout l'avantage que tu as. Premier, fils aîné. Ami, tu es le fils aîné. Supérieur en dignité, supérieur en puissance. Mais il y a une seule chose qui peut neutraliser tout. Et souvent, il y a une explication pour tout. Contre des personnes qui sont impétueuses. Dieu est contre les personnes qui ne sont pas loyales, les personnes qui ne sont pas stables. Nous avons vu aussi en Luc chapitre 19, comment quand le maître a félicité ses serviteurs, l'une des choses qu'il a dit, bien fait, bon et fidèle serviteur. Donc tu vois que vraiment la stabilité et la fidélité, c'est quelque chose que Dieu regarde. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 dit, du reste, ça veut dire ça, c'est la fin de l'histoire. Ce qu'on demande de chaque dispensateur, ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on souhaite. Tu vois, la personne qui choisit les gens, c'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison? La personne qui choisit les gens, c'est Dieu. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui va te choisir, c'est Dieu qui va te choisir. C'est Dieu qui chuchote dans les oreilles de le DG, le manager et des grandes personnes. Pensez à cette fille. Est-ce que tu as vu cette fille? Pensez à cette fille. Donc si tu es un leader ici ou chef d'une entreprise, il y a des fois tu penses à quelque chose et puis il y a le nom de quelqu'un qui vient dans ta tête. Est-ce qu'il y a des chefs qui sont ici qui ont déjà eu ce genre d'expérience? N'est-ce pas? Tu penses à quelque chose et il y a le nom de quelqu'un qui vient dans ta tête. Mais cette personne ne sait pas que tu es en train de penser à la personne, à lui ou à elle. De la même façon, c'est Dieu qui donne le nom des gens. Et le Dieu qui donne le nom des gens à d'autres personnes. Quels sont ses critères? Heureusement, il n'a pas trop de choses qu'il demande de nous. Ce qu'on demande, ce qu'il demande, c'est que tu sois stable. Ne te fiez pas trop dans les choses que certaines choses que tu trouves à l'intérieur de toi, à la nature. Certaines choses dont tu as été né avec. Oh, je suis un Ivoirien, donc c'est moi qui sera sélectionné. Non, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Ça veut dire que stable comme une pierre, tu auras la prééminence. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es en train de donner la grâce d'être stable au nom puissant de Jésus. Si Dieu ne te choisit pas, si Dieu ne te choisit pas, tu iras nulle part. Si Dieu ne te choisit pas, tu iras nulle part. Nowhere. Nowhere. Et si les hommes doivent choisir, les hommes regardent beaucoup de choses à l'extérieur. Les hommes ne voient pas ton cœur. Les êtres humains ne voient pas ton cœur. C'est Dieu qui regarde l'intérieur du cœur. Si les êtres humains doivent choisir, ils vont regarder toute l'imperfection. On prend ton CV, on regarde les imperfections. Est-ce que vous savez que un jour j'ai eu l'opportunité de parler j'étais dans la compagnie de les chefs d'une très grande entreprise. Et son chargé d'affaires est venu nous voir. En fait, on était là en train de manger et puis son chargé d'affaires est venu. Et puis il lui avait, pendant qu'ils sont en train de causer, il lui avait posé une question par rapport à une interview qu'ils ont fait le matin avant que je n'arrive. Et puis demander s'il va choisir une fille en particulier. Et puis le chef a dit non, pas elle. Et puis le chargé d'affaires dit, je savais que tu n'allais pas la choisir. Et puis il dit non. Et alors il lui avait posé la question, à ton avis j'avais choisi qui? Et puis il a cité quelqu'un de dit, ouais, c'est que tu me connais bien. Donc après quand il est parti, je lui avais posé la question, c'est au sujet de quoi? Il dit bon, sa secrétaire, n'est-ce pas? Sa secrétaire depuis de nombreuses années devrait aller à l'université ou elle devrait faire master ou quelque chose. Donc il y a eu une vie dans son bureau. Donc il a fait juste une interview juste pour embaucher quelqu'un d'autre. Donc je lui avais posé la question, vous regardez quoi? Parce que position, non, je suis en train de parler de un dollar milliardaire. Quelqu'un qui achète gratte-ciel comme on achète chaussures à jamais. Est-ce que vous connaissez gratte-ciel? On n'a pas encore gratte-ciel en Côte d'Ivoire. On parle des bâtiments qui grattent le ciel. On n'a pas encore ça en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Peut-être c'est parce que celui qui va bâtir ça n'a pas encore reçu cette grâce et la personne est dans la salle. Je vous ai dit que je suis un docteur prophétique. Quand je parle, son client est à 5 mètres. De pousser un peu. Donc je lui avais demandé, donc pour une position comme ça, quelqu'un qui va devenir ta secrétaire personnelle, vous regardez quoi? Il dit, bon, je vais te dire ce qu'on ne regarde pas. Numéro 1, on ne regarde pas leur CV. J'ai dit, quoi? Il dit non, non, ça veut dire absolument rien. Et puis il m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, nous savons tous. Bon, il est en train de parler de la part de peut-être de tous les grands boss dans le club. On a parlé de cette club là dimanche soir, tu te souviens, non? Est-ce qu'il y a certains qui sont déjà en train de rentrer dans le club? Si tu n'es pas au courant, vous devrez chercher le message. Je vais vous montrer avant la fin de cette session comment trouver tous ces messages, d'accord? Yes. Donc, il a parlé de la part de tous les boss. Que il dit, nous savons tous
que l'étude universitaire ne peut rien faire dans le monde réel. Et dit, peu importe le niveau ou grade ou diplôme que tu finis avec, tu es 40 ans en arrière de la vie réelle. Tu ne peux absolument rien. L'étude universitaire ne forme jamais quelqu'un assez prêt pour la vie du travail. Donc je lui avais dit, donc si l'étude universitaire, ça ne vaut rien, alors vous regardez quoi? Il dit, ça va te choquer ce qu'on regarde. Donc je dis, dis-moi, qui veut savoir ce qu'il m'a dit? Bon, vous n'êtes pas intéressé, laisse la faire. Sérieux, vous êtes intéressé? Il m'a dit, puisqu'on sait, il dit, puisque nous savons que le but de l'université, c'est de te former à apprendre comment apprendre. C'est pourquoi on appelle ça université. C'est lui qui m'avait expliqué. Il dit universal learning. Yeah, universal learning. Apprendre universellement. Donc, ce n'est pas le matière que tu apprends à l'université n'est pas ce que tu as besoin. Parce que tu vois, tu quittes l'école secondaire ou lycée, tu n'avais aucune idée sur l'ingénierie. Et puis pendant 5 ans, on t'apprend quelque chose que tu n'avais aucune idée. L'ingénierie n'est pas ce que tu as appris. En fait, on t'a montré comment apprendre. Donc, si tout ce que tu as appris à l'université, c'est l'ingénieur, ça veut dire que tu n'as pas vraiment traversé l'université. Ceux qui traversent vraiment l'université, ils peuvent finir avec le diplôme d'université ingénieur et puis ils apprennent d'autres choses. Dans 6 mois, ils peuvent apprendre beaucoup de nouvelles choses. Yes. Parce que le but de la structure, c'est de t'apprendre comment apprendre. Sous pression, quelque chose que tu n'avais absolument aucune idée. Il dit, alors, si ça c'est le cas, la seule chose que nous regardons, c'est si on peut compter sur toi. Parce que, non, il dit oui, il dit parce que, si votre étude à l'université n'est pas nécessaire pour le travail, et ça ne nous aide pas dans le travail, ce qu'on doit te former, c'est pourquoi peu importe le travail que tu gagnes aujourd'hui, on t'envoie à la formation. 6 mois, tu dois faire 6 mois, de stage, 6 mois de formation. Et maintenant, chaque année ou chaque 2 ans, on t'envoie encore pour faire encore des formations. Il y a des banques où on envoie même le manager chaque 2 mois à une formation d'une semaine. Yes. Maintenant, le problème, c'est quoi? S'il investit en toi, est-ce que tu vas rester avec lui? Donc, quand il prend ton CV, ce n'est pas où tu as travaillé qu'il lui regarde. Il regarde combien de temps tu as passé avec telle personne. Combien de temps? Parce que ce que tu as fait avec telle personne, c'est exactement ce que tu vas faire avec lui. Donc, si cette personne t'avait formé et puis tu as fait 6 mois là-bas, tu vois, il y a des personnes qui se fient vraiment dans leur niveau d'expérience. Donc, quand il prend le CV, il met tout. Écoutez, il y a certaines choses que tu dois supprimer de votre CV. Surtout les endroits que tu n'as pas duré. Il ne faut pas mettre ça dans ton CV. Mettre dans les endroits où tu as fait 5 ans, tu as fait 4 ans, tu as fait 3 ans, tu as fait 10 ans là-bas. Parce qu'il veut voir quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est stable. Reçois la grâce et la capacité d'être stable. Look, les filles qui sont ici, je vais te donner médicaments pour éviter gourmet qui n'est pas nécessaire. Bon, on dirait que vous n'êtes pas intéressé. Laisse. De vous donner le médicament. Non, non, non. Cet médicament-là, je sens que la personne est ici. Je vais rester ici. Médicaments pour gourmet qui n'est pas nécessaire. Non, il y a certains gourmets qui ne sont pas nécessaires. Il y a certains vraiment, les gens qui sont vraiment bizarres, ils peuvent te dribbler. Mais la majorité de gourmets ne sont pas nécessaires. Voici un frère que tu as rencontré. Prends son CV. Quand il était avec Esther, il a fait 3 mois. Et puis il était avec Sarah, il a fait 2 mois. Et puis il était avec Priscille, il a fait 2 semaines. Ma chérie, toi, toi-même, quand tu vois ces CV, est-ce que tu ne vois pas que le temps que les gens passent dans sa vie sont en train de diminuer? À ta place, je vais fermer mes valises et puis je commencer à partir quelque part. Mais tu vois quelqu'un qui était dans sa dernière relation, il a fait 6 ans.
Il a fait 6 ans avec la même personne et ça n'a pas marché. Ou il a fait 4 ans ou 5 ans. Ça, c'est quelqu'un qui est resté en quelque chose de longtemps pour essayer tout et ça n'a pas marché. Et il a fait 2 mois ici, 1 semaine ici. Et puis il dit non, Priscille n'était pas sérieuse, donc on a fait seulement 1 mois. Et puis Sarah aussi n'était pas. Oh non, Sarah là, elle était vraiment bête. Donc elle a fait 2 mois. Donc toi, comme toi, tu es plus sage que tout le monde. Tu penses que toi, tu vas faire 2 ans jusqu'à ça va arriver au mariage. Pardon, ça c'est gourmet qui n'est pas nécessaire. Ce sont des gens de gourmet. Quand tu viens, tu parles même au pasteur. Il a envie même de te donner un cocota quelque part. Hein? C'est pas nécessaire. Toi-même, tu devrais voir ça venir de loin. Reçois la grâce pour être stable. Vous savez, les amis, on parle de tout ça. On parle de tout ça parce que la personne qui choisit les hommes et les femmes, c'est ce qu'il aime en fait. C'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il regarde. Il regarde absolument rien d'autre. Bon, je vais te montrer encore une autre chose. De te montrer ou de laisser ça ici. Matthieu 24. Regarde Matthieu 24. Matthieu 24. 44, 45, 46. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Il est en train de parler du fait qu'il peut venir soudainement pour te choisir, ou il peut venir soudainement quand vous n'y pensez pas. Maintenant, regarde, il va nous révéler une fois encore, et ce n'est pas la première fois. Luc 19, on voit encore comment il a choisi un commerçant et fait de cette commerçante un gouverneur. De commerçante à gouverneur. Et le critère qu'il a utilisé, il dit parce que tu as été fidèle. Roubaix, il a toutes les qualifications pour être choisi. Et puis il le rejette. Et la raison, il a donné la raison. Il dit tu es impétueux, tu n'es pas stable. Je ne peux pas dépendre sur toi. Look, peut-être Dieu a choisi Pasteur Mohamed parce qu'il savait qu'il pouvait dépendre sur lui. Que lui là, en fait quand il l'a vu, ce jeune homme, la façon 3 jours après être converti, la façon il a pris, il est parti sur la route en train de prêcher au marché. Il a su que ça c'est quelqu'un, peu importe combien de milliards je vais confier dans sa main, ça ne va jamais changer son message. Et tu vois qu'il continue à augmenter de grâce à grâce. Les amis, je suis en train d'ouvrir tes yeux à voir qu'est-ce que Dieu aime, ce que Dieu aime quand il choisit les gens. Et regarde, une fois encore, il va nous donner encore une autre information. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Ce n'est pas Isaïe qui parle. Ce n'est pas Jérémie. Ça, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui choisit les gens. C'est lui qui est en train de parler. Et puis il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Il est en train de parler de qui est la personne qui sera établie sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Regarde, et donc, il a posé une question. Qui est la personne qui sera établie sur les gens? Il nous fait comprendre que c'est le maître qui établit les serviteurs sur les gens. Yeah. C'est le maître. Verset 45, il dit, verset 46. Bénis ses serviteurs. Quand son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Ça, c'est une phrase qui dit, ça dit que ce qu'on lui avait laissé en train de faire, là, quand le maître va venir, il va lui trouver en train de faire exactement la même chose. Maintenant, regarde les résultats. Qui est prêt pour les résultats? Qui est prêt pour les résultats? 47. Tout le monde regarde quelque chose. 47. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Ça veut dire que ça, on peut pas contourner ça. On peut pas contourner. Il dit, je vous dis, il établira sur tous ses biens. Au début de ce passage, il dit, établi sur les gens. Maintenant, quand il va retourner et lui trouver en train de faire exactement ce qu'il lui avait demandé de faire depuis de nombreuses années, maintenant, on va lui promouvoir et lui établir sur tous ses biens. Les amis, c'est tellement clair. On nous montre ce qu'il regarde pour promouvoir les gens et pour les placer sur ses biens. Que Dieu te trouve fidèle. Amen. Que Dieu te trouve fidèle. Amen. En fait, c'est pourquoi je voulais vous parler de les ennemis contre votre loyauté ou votre fidélité, votre prééminence. Parce que, apparemment, la seule chose qu'ils regardent vraiment, c'est le fait que tu es stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un ennemi qui sait exactement la seule chose que Dieu regarde. Je vais vous dire quelque chose. Satan n'est pas intéressé
à te voler des petites des choses que tu as dans ta vie. Il sait que une fois tu sautes un seul pas de ton rang, c'est fini. Tu as un ennemi qui connaît ton père plus que toi. Il était avec lui il y a longtemps. Non, des fois, la façon, on l'a tellement lié qu'on a oublié qu'il était avec Dieu il y a longtemps avant que nous sommes arrivés. Nous, on est arrivés juste hier soir. L'histoire de toute humanité depuis Adam jusqu'à présent, c'est 6024 ans. Et lui, le nom même que la Bible lui appelle, c'est l'ancien serpent. C'est un douin. Quelqu'un que Dieu pouvait tenir réunion dans le ciel et puis il peut arriver. Et puis personne ne lui chasse. Dieu même tient conversation avec lui. Est-ce que tu as vu mon gars Job? Il sait exactement quoi faire. Il sait que ce que Dieu regarde pour choisir quelqu'un, c'est sa fidélité. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait à Moïse. Il a fait en sorte que le peuple l'ont poussé jusqu'à ce qu'une seule fois, Moïse a pris un seul pas comme ça, bam, et Dieu a dit. Parce qu'il savait qu'une fois il ne te trouve pas fidèle, c'est sa nature, il ne peut pas rester avec toi. Il savait. Il savait. Si tu connais bien ton ennemi, tu vas le dribbler. Mais si tu ne connais pas ton ennemi, c'est fini pour toi. Tu as un ennemi qui sait exactement ce que Dieu regarde quand il peut te choisir. Donc il est important pour toi de savoir exactement ces gens des ennemis et leurs plans pour ta vie, pour t'enlever de votre loyauté et votre prééminence. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison? Qui est encore ici? Yes. Donc le premier de ces gens des ennemis dont vous devrez faire attention, c'est un esprit qu'on appelle l'esprit d'indépendance. Est-ce que vous êtes ici? Son nom, c'est l'esprit d'indépendance. Tu vois, le parasite des palous, quand il rentre dans le corps de quelqu'un, l'œil ne peut pas le voir. Mais il s'affiche à l'extérieur. Donc en anglais, on dit « Something on the inside is working on the outside. » Quelque chose à l'intérieur est en train de se manifester à l'extérieur. Donc le médecin a développé la science de te dire ce qu'il y a à l'intérieur de toi en observant ce qu'il y a à l'extérieur. Yes. L'esprit d'indépendance, l'esprit indépendant, quand il rentre à l'intérieur d'un chrétien ou à côté d'un chrétien, quand il vient autour de toi, qu'est-ce qu'il fait? La Côte d'Ivoire est indépendante de Ghana. Férié en Côte d'Ivoire, demain c'est férié en Côte d'Ivoire. Jeudi, après demain. Jeudi, c'est férié en Côte d'Ivoire. Jeudi, ce n'est pas férié au Ghana. Parce que Ghana et la Côte d'Ivoire, bien qu'on est voisins, Ghana est indépendant de la Côte d'Ivoire. Quand un chrétien ou quelqu'un à l'église devient indépendant, c'est-à-dire qu'il est avec toi. On est ensemble. Mais les choses qui nous concernent ne lui concernent pas. Non, il n'est pas parti. Oh. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu commences à remarquer ces genres de symptômes, look, aujourd'hui, on est assez versé de sentir. Nous-mêmes, on n'a même pas besoin d'un médecin de nous dire que tu as pas lu. Toi-même, il y a certains sentiments, quand tu commences à avoir, tu te dis, il y a le début de palu qui a commencé. Et toi-même, tu vas à la pharmacie pour prendre des médicaments. Parce que au moins, même Corona, à un moment, chacun a appris les symptômes. Parce que ta vie dépend sur ça. Toi aussi, ta vie dépend, ta vie et votre démarche avec Dieu dépend sur ta capacité de rester stable. Donc, à cause de ça, vous devrez savoir les symptômes des choses qui te déstabilisent. Et l'un de ces symptômes, c'est commencer à remarquer quand vous êtes ensemble dans un groupe et il y a quelque chose de cette groupe qui ne te concerne pas. Par exemple, on est tous, peut-être, vous êtes tous dans les tribus de Judas ou tribu de Issachar, hein, ou Dan. Et puis, on demande à tout le monde de porter le t-shirt pour dimanche. Tu vois la personne pour le service et tu vois quelqu'un qui est venu qui a porté robe. Non, c'est pas qu'elle n'est pas restée à la maison. Elle est venue. Elle est là avec nous. Où est ton t-shirt? Tu dis, j'ai laissé ça à la maison.
elle est là. Mais elle est légèrement indépendante. Légèrement différente. Ça, c'est l'esprit indépendant qui a commencé à agir sur sa vie. Fais attention quand on nous donne heure de rassemblement à 8 heures et toi tu arrives à 9 heures. De laisser ça ici ou de pousser encore. Ou tu es boss. Le père de la maison a appelé sous-côte. Et puis tu n'es pas venu. Et on demande pourquoi c'est parce que tu dis, oh, mon chef ne m'a pas laissé. Mais si c'était garçon pour aller chercher, tu savais exactement quoi faire. Bon, ou de ne pas parler. Et, non, non. Pasteur Gérard, de ne pas parler. Si c'était aller chercher garçon, là tu savais quoi faire. Tu sais, look, quand il s'agit de ce qui te concerne et ce qui touche ton cœur, chacun sait exactement quoi dire à son chef pour qu'on te libère. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, tu dis, oh, je suis allé lui dire qu'on a prié dans notre église et il m'a refusé. Hey! Quand c'est pour aller suivre garçon, est-ce que c'est ce que tu dis à ton chef? C'est-à-dire que soudainement, quand il s'agit de l'église, on ne sait plus quoi faire. Quand il s'agit de la maison de Dieu, on ne sait plus quoi dire pour être présent. Ton problème n'est pas que tu es ignorant. Ton problème est que l'esprit indépendant t'a attaqué. Fais attention qu'on est tous ensemble et tu n'es pas là. Look, la dernière souper, il y a 12 apôtres qui étaient là. La seule personne qui n'était pas là au moment de rupture de pain et de la coupe de vin, c'est la personne qui a amené le problème. On est tous là. Dieu Tout-Puissant est ici. Le Créateur de tout l'univers. On l'a vu marcher sur l'eau. On l'a vu nourrir 5000 personnes. On l'a vu ressusciter quelqu'un qui est mort 4 jours. Il est là. Judas, tu vas où? Tu vas où? Il y a quoi dehors? Qui t'a appelé? On est tous ici. Et puis soudainement, hello, hello, hello. Et puis, hello. Hello. Oui. On est encore là, non? On est en train de manger d'abord. Non, je t'envoie la localisation GPS. Quand on va bouger ici, tu vas me voir, tu vas nous voir en train de jouer. Non, il ne faut pas m'appeler. Quand tu m'appelles comme ça, c'est bizarre. Il faut pas m'appeler. D'accord. Bon, Seigneur, pardon, on m'appelle sur quelque chose. J'arrive. C'est ça. Yes. Donc, fais attention quand nous sommes tous ensemble et tu n'es pas là. Yeah. Quand quelqu'un a un esprit indépendant, la convocation de venir à l'église dimanche ne lui concerne pas. Yes. Il préfère de suivre en ligne que de venir en présentiel. Yes, il préfère. Yes. Il préfère de suivre en ligne. Qu'on nous demande d'être là. Il préfère de suivre en ligne que de venir. Yes. Yes. Non, c'est. En fait, tu vois. Mais quand il s'agit de ton travail, là, tu sais quoi faire. Lundi matin, il peut pleuvoir de coups. Si c'est à 6 heures, tu dois quitter la maison. Tu vas te mouiller sur la pluie pour aller au travail. Mais si que ça soit dimanche matin, il dit il pleut. On va suivre en ligne. Hey! Si Corona n'est pas venu, on ne savait pas que culte en ligne c'était important. Hein? À cause de grâce à Corona, maintenant tout le monde, il y a des personnes depuis Corona, ils n'ont plus repris l'habitude de venir à l'église. C'est l'esprit indépendant. L'esprit indépendant. L'esprit indépendant fait de toi quelqu'un qui cache quelque chose de ton leader et de te séparer certaines parties de ta vie. Écoutez, la vie d'une brebis dépend sur son berger. Quand tu t'assois devant un médecin, tout ce que tu caches du médecin change le diagnostic. Amen.
C'est pourquoi maintenant le médecin ne nous fait plus confiance. Peu importe ce que tu dis, va faire test. Parce qu'il te pose la question, est-ce que tu as ça? Tu dis pas vraiment. Il y a quoi comme pas vraiment? Est-ce que tu vomis? Il dit, quelquefois j'ai vomi, quelquefois je ne vomis pas. Tu as la fièvre, tu dis, oui, ça vient des fois, ça vient. Va faire test. Yes. Parce que quand tu es assis devant le médecin, look, le médecin, en fonction de le temps de l'année, période, et même des fois ton âge, c'est pourquoi on demande ton âge, le poids, tout ça. Avant même de rentrer dans son bureau, il a une idée de ton problème. Le test ne sont pas nécessaires. C'est juste pour être exact. Ça confirme ce qu'il, la suspicion qu'il a. Sinon, sans le laboratoire, ils peuvent toujours fonctionner. Beaucoup fonctionnent dans le village sans ça. Mais tu vois, c'est parce qu'on n'est pas honnête. Parce qu'il te demande, est-ce que tu as connu garçon? Tu dis, moi, je suis vierge. Tu es vierge, pas de problème, va faire test. Va faire test. La vie d'une brebis dépend sur son berger. La Bible nous appelle, il dit, nous sommes le troupeau de sa pâturage. Nous sommes. David dit, je dis, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, c'est que David voulait dire, je suis le mouton de l'Éternel. Yes. Une autre façon d'écrire Psaume 23, au lieu de dire l'Éternel est mon berger, on pouvait dire je suis. Parce que berger là, il fait quoi? S'il dit l'Éternel est mon charpentier, c'est que je suis bois. Mais il dit l'Éternel est mon berger. Le berger traite avec quoi? Mouton. Si on l'écrit Psaume 23 encore, on pouvait dire je suis le mouton de l'Éternel. J'ai jamais vu mouton. Qui veut aller quelque part lui seul. Imaginez de croiser un mouton devant ici. Qui veut aller à Adjamé. Lui seul. Il a une sac autour. Donne-moi ça. Hein? Il dit il va aller prendre car. UTB. Hein? Il va à Boaké. Regarde donc, il va à Boaké. On dit mouton, mais. Mouton, mais. Tu vas où? Boaké, mais. Est-ce que tu penses qu'il va arriver à Boaké? Non, jamais. Hein? Non, 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 non. Il va devenir Soukouya. Il va devenir Soukouya. Mais si tu lui vois avec son berger, si son berger est là, peu importe où on va lui placer dans le car, il va arriver à sa destination. La vie d'une brebis dépend sur son berger. Pour moi, de tous les ennemis contre ta prééminence, l'esprit indépendant, c'est le plus dangereux. Non, Satan sait que si tu dépends sur ton berger, tu vas avancer. Moi, depuis que je dépends sur mon père spirituel, et depuis que je lui avais laissé de me diriger, j'ai fait qu'avancer. Ça ne m'a pas réduit. Être loyal à mon père spirituel ne m'a pas réduit. Non. Par contre, je suis venu un étranger en Côte d'Ivoire, en Baka. 4 ans passés, j'avais ce même livre à l'entrée de Cocody en train de crier 1000 francs, 1000 francs. 4 ans plus tard, en train de dépenser sur mon berger, j'ai le même livre en main, mais cette fois-ci, je suis sur l'estrade. De la même église qui faisait la rencontre où je faisais le 1000 francs, 1000 francs. Avec le micro. Dépense sur mon berger ne m'a pas réduit. Tu vois, il y a une voix qui te dit que, bon, quand il s'agit de 1, 2, 3, tu peux parler avec ton pasteur. Mais 1, 2, 3 là, il faut te contrôler. Et il ne faut pas trop faire confiance à l'église. Et il ne faut pas suivre tout ce qu'on te demande de faire. La vie d'une brebis dépend sur son berger. L'esprit indépendant fait de toi quelqu'un qui est là. Tu fais partie du club, tu fais partie de l'église. Mais il y a des parties de ta vie qui sont différentes. On demande à tout le monde de porter t-shirt de In South Sudan. Toi, tu as toujours In Liberia. Non, au moins tu es venu à l'église. Et tu es là. Mais tu vois que la personne est là, il n'est pas encore parti. Mais il est légèrement différent. Légèrement différent. Où nous sommes, il n'est pas là.
Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas ce que lui aussi il est en train de faire. Quand un choriste devient indépendant, tu vas remarquer, on va demander à tout le monde de porter noir, noir. Est-ce qu'elle va venir la porter blanc, blanc? On demande à tout le monde de porter, toutes les filles de porter talon. Elle va venir la porter, quoi? Ballerine. Et tu lui demandes pourquoi tu n'as pas un talon. Il dit, pour moi c'est cassé. Si c'était le mariage de ta soeur, est-ce que tu allais laisser, est-ce que c'est la même excuse que tu allais donner? En fait, quand il s'agit de la maison de Dieu, tout le monde a des excuses bizarres. Mais tu vois, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est pas ton excuse. Hein? Le problème c'est que tu traites avec un Dieu qui a ton barème. Tu traites avec un Dieu qui sait ce que tu fais pour les choses que tu aimes. Qu'il connaît à quel point tu es prêt à aller pour les choses qui te concernent. Donc quand tu viens et pour sa maison, tu dis que non, pour moi c'est cassé. Je n'ai pas lavé mes habits tôt. Je ne me suis pas levé très tôt. Et puis il dit, ah, mais c'est la même chose qui s'est passée de l'autre côté. Mais pour ça, tu as trouvé le moyen de te rattraper et de venir. Mais pour ma maison, donc tu vois comment quand tu peux venir à l'église et puis on est en train de chanter, tu lèves ta main. Je t'aime, tu le sais. Ce sont des personnes aussi qui vite descendent sur les genoux. Oh, je te porte dans mon cœur. Et puis, il coule un peu de. Et mon cœur brûle dans l'amour. Et puis, il fait comme ça. Tu es mon ya. Hey! On peut mentir même au Saint-Esprit comme ça. Étonné te regarde et dit, je ne savais pas que quelqu'un peut me dépasser à Abidjan ici. La vie d'une brebis dépend sur son berger. Quand ton berger dit, tout le monde doit être là, il faut que tu sois là. Yes. Il faut que tu sois là. Et il faut pas laisser une excuse t'éliminer. Parce que quand les choses commencent à t'éliminer, attention, tu traites avec un ennemi. Regarde le mot utilisé pour décrire Satan. Le mot utilisé pour décrire certaines choses dans la Bible explique leur comportement. Je répète, le mot utilisé dans la Bible pour décrire certaines choses explique leur comportement. Par exemple, Christ, l'identité de Christ en Apocalypse est le lion de la tribu de Juda. Mais Satan aussi a ces mêmes références comme lion. Mais regardez, la Bible dit, le mot utilisé, en fait, c'est pas la Bible, le principe général, c'est que le mot utilisé dans la Bible pour décrire certaines choses explique leur comportement. Pour Satan, la Bible dit que ton adversaire est comme un lion rugissant. Tu vois, le mot utilisé pour lui décrire explique son comportement. Lion, lion, mais voici la différence. Lui, c'est un lion rugissant, ça veut dire c'est un lion solitaire. Les lions solitaires sont lâches. Il n'a pas backup. Christ, c'est le lion de la tribu. Tu vois, il a une famille. Il a une famille. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. L'accent ici, ce n'est pas l'identité lion. L'accent n'est pas le lion. C'est français, il dit lion de la tribu. Tu vois que l'accent est mis sur où il vient. D'où il vient. Et quand on dit tribu, on parle déjà d'une famille. Donc tu vois, les lions, quand tu regardes National Geographic, les lions qui ont des familles, des femelles, ils n'ont pas peur de proie. C'est eux qui descendent l'éléphant. C'est eux qui peuvent travailler ensemble pour faire descendre le girafe. Ils ne prennent pas de petits proies. Des fois, mais ils protègent les petits proies. Ils font descendre le gros et ils mangent ensemble. Mais les lions lâches, solitaires, rugissants, comme ils n'ont pas backup, donc ils cherchent le malade, le faible, le petit ou l'indépendant. C'est-à-dire qu'un petit antilope qui s'est séparé un peu. Tu vois, le mot utilisé explique son mode opératoire. Donc, Pierre nous dit, fais attention, ton adversaire, le mot utilisé pour lui décrire explique déjà comment il opère. Un lion rugissant, ça veut dire que sa façon d'opérer, c'est chercher quelqu'un qui n'a pas backup, qui est seul. Il n'a pas de tribu, il n'a pas une famille. Tout le monde est ici, toi tu es seul à la maison. Tout le monde est à Soukot, tu n'es pas là. Tout le monde est réunion de pastoral, tu n'es pas là.
Et puis, on donne des excuses. Comme si nous, on n'a pas une tête. On dit, oh, mon travail. Tu vois, il y a certaines excuses quand tu donnes. Le père, calme comme il est. Et il va dire, oh, ok, d'accord. Donc, à la prochaine fois. Mais tu as affaire avec un Dieu qui sait exactement ce que tu fais pour les choses que tu aimes. Tu as oublié comment tu sautais clôture de ton père. À 21h, tu mets des coussins et tu les couvres comme si tu es en train de dormir. Ce que tu fais derrière la clôture, je ne peux pas dire dans le micro de pasteur Mohamed, pardon. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, soudainement on ne sait plus quoi faire. Soudainement, on ne sait plus quoi faire. Soudainement, on ne sait plus quoi faire. Soudainement, on est entouré par toutes sortes d'excuses. Pourquoi on ne peut pas être là? Pourquoi on ne peut pas porter le t-shirt? Pourquoi on ne peut pas soutenir? Pourquoi on ne peut pas faire cela? Donc, la vie d'une brebis dépend sur son berger. La vie, la sécurité d'une brebis dépend sur son berger. Donc, quand tu marches avec ton berger et une voix te demande de cacher certaines choses de lui, attention, ce n'est pas à ta faveur. Tu as un ennemi qui sait exact. Il sait que si tu casses ça de ton berger, il t'aura. Il sait. Donc il te pousse. Et ça, c'est un ennemi à ta prééminence. Ça te rend instable. C'est très facile quand le médecin, tu peux le demander. C'est très facile quand un malade vient et te dit, et lui-même il te dit ce qu'il pense qu'il a. Et puis tu lui demandes pourquoi. Et puis il te dit tout. Il dit l'autre jour, je suis ici, j'ai fait comme ça. Et c'est très facile. Toi-même, tu sais exactement quoi faire. Mais tu es assis devant un malade, tu lui demandes, est-ce que tu as ça? Il dit, pas vraiment. Quand j'étais prête à me marier, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, m'a posé une question. Il m'a dit, Benedictus, donc finalement, tu vas choisir qui? Parce que tu dois te marier avant d'aller en mission. J'ai dit, bon, papa, maintenant là, il y a deux personnes. Tu vois, si c'est toi, tu vas dire qu'on entend le mouvement du Saint-Esprit. Il dit, on est en train de prier toujours. Tu ne pries pas. Quand était la dernière fois que tu as soulevé même ça en sujet? Mais tu vois, vous n'avez pas réalisé que la vie d'une brebis dépend sur son berger. L'esprit indépendant, c'est ton plus grand ennemi. L'esprit qui te sépare de ton berger. Si c'est toi, tu vas dire, bon, on attend que Dieu agisse toujours. Moi, je dis, papa, il y a deux. Il dit, qui est qui? Je dis, l'autre jour qu'on était autour de ta voiture, tu vois la soeur qui était comme... Et puis il dit, ça c'est quoi? Il m'a demandé, ce que tu fais avec tes mains là, c'est quoi? Je dis, guitare espagnole. Il dit, hey, Benedictus, guitare espagnole. Non, tu vas faire quoi avec le guitare espagnol? J'ai dit, papa, il me plaît trop. Ça dit que quand on marche et puis on arrive sur un couloir comme ça, je lui demande de passer devant. Comme ça, je peux bien louer le Seigneur. Encore, certains d'entre vous, on te pose la question. Tu veux te marier avec quel type de personne? Je dis, oh, si elle parle la langue, ça va. Mais tu sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vie, tu vois, j'ai dit, tout ce qui te sépare de ton berger n'est pas à ton avantage. Ça te déstabilise. Et puis il m'a demandé, et l'autre là, j'ai dit, oh, tu la connais déjà. Elle est comme ma soeur, you know, en Christ. Vous m'avez vu avec elle à la réception la dernière fois. Il dit, ah oui, elle homme. J'ai dit, oui. Bon, mais elle est comme ma soeur. Et puis il dit, oui, en Christ, c'est sa soeur qu'on choisit. J'ai dit, daddy, mais les guitares espagnoles. Donc il dit, ok. Passez derrière le bâtiment, personne ne doit te voir. Je vais passer ici, on va se croiser là-bas. Donc je suis passé derrière. Et puis il a mis sa main dans son portefeuille, il a tout enlevé. Beaucoup d'argent comme ça. Et puis il m'a dit,
amène toutes les deux à manger et observer tout ce qu'ils sont en train de faire. Et écris-moi, décris ça et envoyez le mot. J'ai dit ok. Challenge accepted. Toi-même, tu sais qui sera le premier, n'est-ce pas? Yeah. Yes. Donc, j'ai vite téléphoné Guita Espagnol qui écoutait. On va aller manger, même restaurant. Non, elle était bien habillée, elle est venue, on a mangé. C'était... Donc, toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait bien manger avec les fourchettes, couteaux. Elle a commandé jollof. Jollof, c'est comme tchèp. Avec poulet braisé. Et puis avec le couteau, avec la fourchette, elle a tout enlevé. Elle a enlevé toute la chair. J'étais émerveillé. J'ai dit, en dehors d'être tout ça, voici la mère de mes futurs enfants. Donc après, elle a pris taxi, elle est rentrée à la maison. J'ai envoyé un message à mon père spirituel. J'ai dit, papa, je l'ai trouvé. Il dit, est-ce que tu as fait ce que je t'avais demandé? J'ai dit, bon, la deuxième passe encore, mais c'est là, nous, et c'est comment utiliser fourchette et tout ça. Il dit, fais ce que je t'avais dit. J'ai dit, ok. Donc, j'ai appelé l'homme. Jusque là, on est des amis. Donc, j'ai appelé l'homme. J'ai dit, bon, ma soeur en Christ. Bon, c'est jeudi, vendredi, si tu n'es pas, si tu es libre, on va aller manger quelque part. Look, toute la semaine, me demande, déporter quoi? Est-ce que cette robe c'est bon? Est-ce que ça... J'ai dit, bon, petite nourriture, on va aller manger. C'est devenu examen d'état. C'est devenu examen d'état maintenant pour moi. Tout ça, je n'étais pas conscient parce que dans ma tête, j'ai déjà choisi Guita Espagnol. Le jour est venu, on est arrivé. J'ai l'amené le même restaurant. Et puis je lui avais dit que, écoute, ici, là, la meilleure nourriture ici, c'est jollof. Et parce que quand tu fais examen scientifique, il faut avoir un contrôle. Si la personne choisit quelque chose, oh, tu vas contrôler ça comment? Tu n'as pas moyen de savoir. Donc, ici, c'est tchèp, même test. Jollof avec poulet braisé. Elle dit, non, moi, j'ai trop mangé poulet braisé. Si ça ne te dérange pas, je voulais demander si c'est ce qu'ils ont. Donc, j'ai appelé le serveur. Elle est venue. Elle a demandé, est-ce que vous avez poisson ici? Ils l'ont montré que le poisson est très grand, ça va prendre du temps. Elle dit oui, c'est ce qu'elle veut. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave. Comme l'autre utilise fourchette avec poulet, peut-être elle va faire avec poisson, n'est-ce pas? Donc on attend. Poisson sera un peu compliqué, mais c'est un challenge, donc on va voir. Moi j'ai commandé quelques frites, c'est vite venu, j'ai fini de manger et puis je l'attends. Voici le poisson qui est venu, gros comme ça. Dès que c'est arrivé, je l'avais aidé à voici fourchette, j'ai placé ça à côté d'elle. Elle me regarde et dit, je fais quoi avec ça? J'ai dit, ah! Look, c'est un restaurant chic, hein? C'est avec fourchette, on mange ici. Elle me regarde et dit, non, 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 non. Elle demande au serveur, est-ce qu'il y a un endroit où je peux laver mes mains? J'ai dit, non, ne me dis pas que cette fille va faire ça ici. Look, c'est quand elle s'est levée pour aller laver le mec, j'ai vu qu'elle a même enlevé ses chaussures. Donc, elle a mis ses pieds à l'intérieur, juste aller comme ça, et puis laver le mec, revenu. Look, toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui monte. La première chose qu'elle a fait, elle a coupé la tête, elle a mis ça à côté. La chirurgie qu'elle a fait ces jours-là, elle a nettoyé le plat. Et puis après, elle a mis la tête au milieu. Il n'y a même pas la peau sur la tête qui a survécu. Look. Je le regardais et j'attendais. Je dis, mais je vais dire ça à Bishop Dak comment? Et là, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Je dis, l'homme, il dit non, regarde bien, tu vois. Et puis il m'a posé la question, il dit, qui mange chez lui à la maison avec fourchette et couteau? Il dit, tu vois, elle n'a aucun intérêt à t'impressionner. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras.
Non, on dirait que vous êtes fan vraiment. Hein? Look, quand j'ai informé, écoutez, quand j'ai donné le message, quand j'ai envoyé le détail, est-ce que vous êtes ici? Dépoussez un peu. Quand j'ai fini de donner l'information à mon père spirituel, il m'a appelé devant les autres. Il y a des évêques, des pasteurs qui étaient là. Et puis il dit, racontez ce que tu as raconté à tout le monde. Donc j'ai raconté les deux cas. Et puis il y a l'un d'eux qui m'avait dit, quand tu es parti, papa nous a dit que la personne que tu vas finir par choisir, c'est cette sœur. Il dit, tu es la seule personne qui ne savait pas que c'est elle. Sinon, nous tous, on savait que c'est elle. Yeah. Yeah. 14 ans de mariage avec cette sœur. Look, écoutez. Il n'y a même pas un seul jour, elle a levé sa voix sur moi. Même pas un seul jour. Non. Il n'y a même pas un seul jour. Elle parle, je parle, c'est fini. Et il n'y a personne qui me connaît, qui ne sait pas que, plus que, peut-être si je suis en train d'exagérer, mais je ne pense pas que je suis en train d'exagérer, plus que 60 ou 70% de mon ministère se repose sur elle. Yes. Mais tu vois, la vie d'une brebis dépend sur son berger. Donc tu vois, quand ton berger te dit, on a matinale, tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas un choix. Quand on est dans un troupeau là, tu dois te voir comme un mouton qui ne réfléchit plus et qui a besoin qu'on te dise, fais ceci, fais cela. Bishop, je t'assure, même dans la Bible, il n'y a aucun pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, appelé par Dieu, donc Dieu ne l'a pas dit quoi dire. Montre-moi un pasteur qui a des difficultés de faire évoluer son église. Je vais te montrer quelqu'un qui prêche ce qu'il veut. Il n'y a personne, toute personne qui est appelée. Ainsi, Jérémie 26, 2, il dit ceci. Ainsi dit l'Éternel à Jérémie, quand tu te tiens dans la pavée de la maison de l'Éternel et le peuple de toutes les villes vient prosterner devant toi, il dit, le message que je t'avais demandé de le dire, dites la même chose. Et puis il dit ceci, n'en retranche pas un mot. La différence entre les hommes de Dieu connus, il y a deux types de hommes de Dieu, ceux qui sont appelés, ceux qui ne sont pas appelés, ceux qui sont prospères et ceux qui sont misérables. Et je connais tous les deux. Yes, je connais. Il y a de nombreuses villes, je me rends, je vois, c'est trop clair. Ceux qui sont appelés, ceux qui ne sont pas appelés, ceux qui sont prospères, ceux qui sont misérables, ça se voit, c'est trop clair. Et l'une des choses qui le démarque tous, c'est ce qui dit ce que Dieu l'a demandé de dire. Si tu es un appelé dans cette église, tu ne peux pas être indépendant. Tu ne peux pas. Comment tu peux te lever un jour et puis tu dis que Dieu t'a inspiré de dire, est-ce que c'est ton église? Est-ce que ce sont tes brebis? Tu as quelle inspiration? Tu es né de nouveau quand? Tu connais quoi? C'est nous qui avons fait l'erreur de t'appeler AP. Sinon, dans ta famille, est-ce que côté papa de sorcier, côté maman de soula, qui dans ta famille est pasteur? Qui dans ta famille prêche? Qui dans ta famille est proche à se tenir sur une strade? Qui dans ta famille tient micro? Quand tu tiens micro ici à base d'honneur, il y a plus que 8000 personnes qui sont en train de te suivre partout dans le monde. Qui dans ta famille a ça? Donc comment tu peux te tenir un jour quelque part et dire, je me sens inspiré? Quelle inspiration? Ça vient d'où? L'inspiration vient d'où? Ce ne sont pas des brebis. Ce sont les brebis de pasteur Mohamed qu'on a vu Matthieu 24. Il dit, l'Éternel, il dit, le maître a établi sur ces gens. Ce ne sont pas tes gens. Donc tu ne peux pas leur donner ta nourriture. Tu dois leur donner la nourriture convenable. Si la nourriture de la saison, c'est pleinement béni, c'est ce que tu dois donner. Si la nourriture de la saison, et demain, on va parler de le 12 portes d'influence. Tu verras que la nouvelle grâce, pas simplement pour cette église, mais peut-être pour toutes les églises du monde. C'est cette sagesse que Dieu a donnée à la porte. Mais tu vois, c'est l'esprit indépendant qui nous a attaqué, nous a fait penser qu'on a un choix à soit suivre ou ne pas suivre. Ils disent, oh oui, le Père a fait sortir les livres. Oui, c'est intéressant.
Donc quand c'est sorti nouveau, chacun a fait un peu de brushing. On a brossé un peu, voilà, regardé un peu, et puis voilà, on a placé le livre où il doit être, sur l'étagère, là-bas il reste. L'esprit indépendant nous attaque et nous fait penser que tu as un choix. Tu peux suivre ou ne pas suivre. Et ça marque la différence. Depuis le jour où je suis mon père Bishop Dag, ça ne m'a pas diminué. Ça ne m'a pas diminué. C'est moi qui ai invité à France, à tout, dans la vie de tout. Et le pasteur qui m'invite vient en Côte d'Ivoire. Il dort à l'hôtel pour m'accompagner. Juste pour m'accompagner jusqu'à là-bas. Moi, un enfant né de bidonville d'Accra. Par une femme qui vend Baya. Un anglophone qui parle mal français. Ça ne m'a pas diminué. C'est pourquoi je suis fan de mon père. Ce soir, il y a un jeune homme qui est venu vers moi pour m'offrir de chemise de Mac. Et sur ça, il a mis mon nom dessus. J'ai dit, je ne vais jamais porter. Non, je ne vais jamais porter. Si tu mets le nom de... Toutes mes chemises ont le nom de mon père dessus. Yes. Même la chaussure que je porte, il y a son nom dessus. Non. Tu dis que c'est idolâtrie, ce n'est pas grave. Quand tu portes Louis Vuitton, ce n'est pas idolâtrie. Non, pardon. Louis Vuitton, ce n'est pas idolâtrie. Louis Vuitton, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Hein? Son prénom, c'est Louis. Le nom de famille, c'est Vuitton. À chaque fois que tu achètes quelque chose, Louis Vuitton, il y a un pourcentage qui va vers la famille. Ceux qui utilisent cet argent pour faire, vous savez déjà, je ne peux pas dire dans le micro. Vous savez comment ils utilisent l'argent pour soutenir des choses. Vous savez bien. Donc ça veut dire que tu es ici, tu donnes offrande là-bas. Ça, ce n'est pas idolâtrie, plus soutenir de l'autre côté. Mais moi, qui a mis le nom de mon papa qui m'a donné tout, qui a écrit une révélation pour qui je suis invité. Quand je mets son nom sur ma chemise, ça c'est idolâtrie. C'est pas ta faute. Yeah. C'est pas ta faute. Gucci, ça c'est pas idolâtrie. Giorgio Armani. Là tu es fier, tu as fait concordance. Veste, Giorgio Armani. Chaussette, Giorgio Armani. Ceinture, Giorgio Armani. Chaussure, Giorgio Armani. Tu as mis chapeau aussi dessus, Giorgio Armani. Ça c'est pas l'idolâtrie. La famille Armani, c'est l'une des familles les plus riches en Italie. Très riche, il faut voir leurs bâtiments sur les Champs-Élysées. Grand comme ça. Palaise, ça ce n'est pas idolâtrie. Ça tu n'es pas en train de donner offrande quelque part. Look, peut-être vous ne savez pas, donc on va vous informer. Il y a une nouvelle génération de fils et de serviteurs qui sont en train d'élever. Yeah. Il y a une nouvelle génération de fils et de filles qui sont en train de... Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Tu n'as pas vu la génération de... Tu vois, tu n'as pas vu la génération de pasteur Mohamed, pasteur Ivan, pasteur Marcel. Tu n'as pas vu comment ils honorent le vieux. Papa Karambéry, comment il honore la génération avant eux. Maintenant, il y a une autre génération qui sont en train de s'élever, qui va aussi les honorer. Yeah. You know, cet après-midi, j'étais en train de parler avec ma jumelle en Christ, pasteur Juliana, Ondo de ICC, Cité Royale. Elle a prêché dimanche. Et j'ai dit, tu as fait 8 minutes pour célébrer et honorer ton père. Félicitations. Yeah. C'est une nouvelle génération des enfants qui honorent leur père, qui prennent la parole de leur père et l'amènent ça à un autre niveau, qui poussent les bateaux à l'intérieur un peu, qui ne sont pas indépendants, qui dépendent et qui n'ont pas honte de dépendre sur leur père et leur berger. N'ont pas honte de se laisser diriger. Tu vois, de se laisser diriger. Et l'esprit qui te fait combattre ça. Ça, c'est l'esprit satanique lui-même. Parce qu'il est la seule personne. Tout le monde est assis, dit, moi, je me lèverai. Je vais m'asseoir au septentrion, à la place du Nord, à la position de Dieu. Un jour, ils sont venus à l'église, ils ont vu Satan, il a l'esprit, sa chaise, il veut placer ça où Dieu s'assoit. Michael a dit, ce n'est pas ici.
quand Dieu est descendu, il a découvert qu'il y a eu tellement de désordre dans l'église. Dis-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un tubillon qui est rentré? Ils ont dit non, on a chassé le gars là. Il a dit, ah, tu l'as chassé aujourd'hui, on l'a jeté sur la terre. Lui seul, on dit non. Il est descendu avec un tiers. On les a scellés. Oh non, on les a gérés ici. Quand ils ont annoncé ça, maintenant, notre ange derrière Dieu a crié. Il dit, maintenant, la paix. Maintenant, la paix est arrivée. Le salut, l'autorité de son Christ. Yes. Parce que l'accusateur a été jeté du ciel. J'attaque. Et je détruis chaque forteresse de l'esprit indépendant sur chacun de nous dans cette salle au nom puissant de Jésus. L'esprit indépendant a perdu sa force et perdu sa force sur toi au nom puissant de Jésus. Plus jamais tu vas être fier parce que tu n'es pas avec le groupe où Dieu t'a placé. Plus jamais. On t'a placé dans un groupe. Un jour, tu te lèves comme un Dieu. Telle sœur a quitté. Tu as quitté pourquoi? Tu vas où? Et puis tu vois, ces genres de personnes sont attaquées facilement par l'esprit d'offense. Ils sont offensés. Tu es offensé à propos de quelque chose. La Bible dit que dans le dernier jour, beaucoup seront offensés et trahiront. Parce que quand tu es offensé, la prochaine chose c'est trahir et de quitter. Maintenant tu vois, être offensé, c'est pas que c'est un problème, parce que c'est une institution humaine. On va finir par te piétiner à un moment ou l'autre. Si ce n'est pas encore arrivé à ton tour, prépare-toi, ça va venir. Bien, ça va venir. Mais tu vois, le problème ce n'est pas l'offense, le problème c'est la façon dont tu les gères. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui n'ait jamais été blessé. Personne assis ici n'a pas une cicatrice sur tes genoux ou quelque part. Tout le monde a une cicatrice sur ses genoux. Parce que si tu décides de ne plus marcher parce que tu as été blessé, c'est que c'est fini pour toi. Tu vois les enfants, une fois il est blessé, en train de pleurer. Maman, tu penses que c'est la fin du monde. 2 minutes après, tu vas lui voir courir encore dans le même endroit. C'est ça qui fait un enfant. Malheureusement, quand on commence à grandir et le péché rentre à l'intérieur de nous, on quitte toutes ces choses, des choses qui nous rendent très attirants devant Dieu. On n'est pas venu à votre anniversaire, tu dis je quitte. Ta soeur était malade ou ta mère était malade à l'hôpital, personne n'est venu, personne t'avait appelé, je quitte. On n'était pas souhaité joyeux anniversaire, je quitte. On t'a grondé un peu, je quitte. Tu étais malade, personne ne t'avait appelé, je quitte. Il dit, pasteur Prisca. Téna, pasteur Téna. Ton enfant à la maison, hein? Est-ce que de temps en temps il fait des choses qui ne te plaisent pas? Hein? Ton fils aîné. Hein? L'aîné, c'est un fils. C'est une fille. Yes. Est-ce qu'elle fait des choses de temps en temps qui ne te plaisent pas? Oui, pasteur. Ça arrive. Hein? Ça arrive. As-tu déjà coupé l'un de ses bras à cause de ça? Non. Hein? Non. Bon, la prochaine fois, elle va faire quelque chose qui ne te plaît pas. Appelle-moi. Je vais venir faire ça pour toi. Non, c'est juste pour montrer, pour lui donner une leçon à vie. Hein? Oh, mais je suis pasteur, je t'ai pas. Tu bouges ta tête sur moi comme ça. Hein? Pardon. Mais le jour n'est même pas arrivé. Tu sais même pas ce qu'elle va faire. Toi-même, tu demandes pardon pour elle. Pourquoi tu ne vas pas accepter qu'on coupe même l'un de ses ongles, mais l'un de ses doigts, pour lui montrer une sens. Comme ça, il ne va jamais faire ça. C'est mon enfant. C'est ton enfant. Tu vois. Mais en fait, ce qu'elle n'a pas voulu dire, et je vais répondre de sa part, c'est vrai que c'est son enfant. C'est vrai que ce que la fille a fait ne l'a pas plu. Mais la punition que je suis en train de suggérer, c'est trop. C'est exagéré. Yeah, c'est immesuré. Ce n'est pas une punition qui va avec ce que la personne a fait. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, quand tu quittes l'église et tu quittes le département juste à cause de cette offense, non, on n'a pas dit que ce ne fait pas mal. Mais la punition que tu nous donnes pour ce qui a été fait, c'est immesuré. C'est tu as excédé. Yeah, c'est exagéré.
Parce que toi, tu es l'un de doigts de main de département. Et tu as coupé ces doigts juste parce que ton anniversaire est venu. Personne ne t'a souhaité joyeux anniversaire. À cause des joyeux anniversaires, tu as coupé un doigt. La prochaine fois, tu veux quitter un département, quitter l'église. Souviens-toi de cet exemple. C'est immesuré. C'est immesuré. Fâche-toi un peu. Tu peux bouder un seul jour. Le lendemain, tu reviens encore. Mais de quitter, c'est exagéré. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Et puis maintenant, tu vois, le troisième démon maintenant, c'est la passivité. Une fois la personne est offensée, il ne fait plus rien. On est tous ensemble, on parle, il ne parle plus. On dit, vous allez remarquer, on dit amen, il ne dit pas amen. On acclame, il n'acclame pas. On est tous debout en train de danser. Tu vois qu'il a... Oh, ok, ça c'est quelqu'un qui avait l'habitude de danser. Je ne parle pas de quelqu'un qui est naturellement calme. Je parle de quelqu'un qui avait l'habitude de danser, qui parle, qui rit, qui fait des blagues. Et on est tous dans l'ambiance. Mais soudainement, la personne est devenue calme. Dans la psychiatrie, c'est le dernier niveau de devenir fou. Yeah, on appelle ça le calme avant la tempête. Yes. Tu vois quelqu'un qui est là et puis soudainement, la personne devient calme. La prochaine scène va courir sur la route et relever ses habits. Tu n'as pas remarqué que dans les matchs de football, c'est ceux qui ne jouent pas le match qui ont beaucoup de choses à dire. Les gens même qui sont sur le terrain en train de jouer là, même quand on lui donne le micro pour parler, ils n'ont pas grand chose à dire. Après avoir couru 90 minutes, tu n'as pas grand chose à dire. Mais ceux qui n'ont rien fait là vont faire commentaire une heure avant le match et deux heures a pris le match. Oh, c'est lui là, c'est un faux joueur. C'est un faux joueur, viens, on va te laisser là-bas. Viens. Donc quand les gens deviennent passifs, prochain, tu vois que maintenant, ils commencent à critiquer. Ils disent n'importe quoi. Look, vous n'avez aucune idée ce que ça prend d'être pasteur. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée ce que ça prend même de préparer un message. Et prêcher samedi, dimanche matin, premier culte. Deuxième culte, troisième culte, en dehors de plusieurs réunions après. Et puis gérer toute une dénomination. Et puis des croisades. Et puis des malades. Et puis d'autres différents outreach, différentes choses. En même temps, vous n'avez aucune idée. Donc quand les choses ne marchent pas comme tu imagines, ferme ta bouche là-bas. Yes. Tu n'as pas dit amen. Amen. Ta bouche. Tu n'as aucune idée de ce que ça prend. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. C'est souvent les gens qui font absolument rien. C'est eux qui parlent beaucoup. Je me souviens quand j'étais à l'école secondaire, j'avais un collègue. En fait, c'est lui qui dirige, il dirige la prière à l'école. Mais notre école secondaire, c'est l'une des écoles les plus remplies de bandits. Hein. Des garçons, c'est un collège de garçons. Plus que 2000. Les plus mauvais de tout Accra. Tous les différents types de garçons sont dans la même école. Les bons, les mauvais, de tout. Et chaque vendredi, on a culte. Et c'est lui comme notre pasteur. Chaque jour, quand il finit de prêcher, comme je partage la même chambre avec lui, j'ai fait des notes, des choses qu'il a dit qu'on ne dit pas. Et lui aussi, comme il me voyait comme un grand frère, donc tout ce que je vais dire, il prend ça, you know, à cœur. Et puis un jour, il est tombé gravement malade. Et puis il m'a demandé si je pouvais prêcher à sa place. J'ai dit, bon, si tu insistes. Non, si tu insistes, c'est pas, il n'y a pas de souci. Au lieu de me rendre homme pour aller chercher la face de Dieu sur le verset là, j'ai vu le verset, j'ai dit ça, on va tuer. Donc le jour est venu finalement, on m'a invité. Tout le monde, même d'ailleurs, tout le monde était choqué que c'est moi qui va prêcher. Donc je suis venu, j'ai pris le micro. Et puis j'ai commencé à prêcher. Oh my God. J'ai prêché. J'ai prêché jusqu'à moi-même. J'ai senti que c'est ça qu'on appelle prédication. Non, j'ai prêché. C'est-à-dire que j'ai prêché, j'ai transpiré, j'ai prêché. Toute la salle était en feu.
Et puis ça m'est arrivé à un moment de regarder la montre qui était collée dans la salle. Et je vois que je suis à la fin de ma prédication. Et toute la prédication que j'ai fait, c'est 5 minutes 17 secondes. J'ai 25 minutes. Donc je suis venu vers son assistant pour demander, est-ce que le montre là c'est correct? Il dit oui, d'ailleurs c'est ce matin, mais on a changé le pire. J'ai dit quoi? Bon, comme je disais, mais tu vois, résumé, c'est plus rapide que l'original. Mais non, je fais la première résumé, deuxième. Je suis arrivé vers 8 minutes, 9 minutes par là. Il reste encore plus que 15 minutes. Je vais faire quoi avec 15 minutes? Donc là, j'ai décidé qu'on va chanter. Mais chez nous, il y a des chansons, on ne chante pas. Dans l'école, il y a chansons, on ne chante pas. Parce qu'il y a des groupes de personnes dans l'école, très très mauvais garçons, qui prennent des chansons chrétiennes et qui mettent des mots vulgaires à l'intérieur. Donc à cause de eux, quand ils font ça, on prend ces gens de chansons, on ne chante pas. Parce que si tu chantes ces versions à l'église, ils vont chanter leur version à l'intérieur. Non, on est tombé à corde que non. Ça, bon, comme ils ont pris ces cinq, on va les laisser avec ces cinq. Mais sous la pression ces jours-là, j'ai soulevé l'une de ces chansons. Look, les gars, ils étaient derrière. Ils sont quittés derrière, venus devant. Enlever leurs chemises et commencer à... Tellement que ça m'a énervé. Puis la honte mélangée avec énervement, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, hey, look, vous, bande de serpents. Vous allez tous partir en enfer. Il me regarde, il dit, c'est nous qui va aller en enfer. Nous? Hey, les gars, il dit, on va aller en enfer. Et puis, ils ont commencé à inciter tout le monde. Pa, 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 ah oui, pa, pa, pa. Sorti, sort. Look, ça là, c'est une stratégie qu'on a. La seule personne qu'on utilise ça sur, c'est le proviseur. Quand elle vient nous annoncer quelque chose dont on n'est pas d'accord, on utilise ça. C'est jamais utilisé sur prédicateur. Je suis le premier et dernier. Ça m'a pris plus que 2 semaines avant de montrer mon visage encore à l'école. Depuis ces jours. Si tu es prédicateur, si tu veux griller la prédication, ou tu ne mets pas verset biblique au moins. Je n'ai rien à dire encore depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Sur ce, je vais vous dire quelque chose. Et j'ai fini avec ça. Beaucoup de leaders dirigent par leur perfection. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est sélectionner la personne la plus imparfaite. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Il choisit le grand prêtre au milieu du peuple. Et le critère qu'il utilise, il dit, puisque lui-même doit être entouré par leurs faiblesses, pour qu'il puisse mieux intercéder pour eux. Tu vois, quand la Bible dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas juste le maîtrissure de Christ qui guérit tout le monde. Le maîtrissure de chaque pasteur guérit sa congrégation. Donc Dieu lui chicote pour qu'il te comprenne. On lui frappe. Quand tu lui vois en train de prêcher, il est assis sous le feu des pressions, des différentes choses. Donc quand tu lui vois en train de prêcher, il peut dire, est-ce qu'on est ensemble? Tu as l'impression que c'est tout ce qui se passe. Tu n'as aucune idée. Prédication, c'est juste 2% du travail des pasteurs. Le 98% de son travail, c'est prendre des gifles et des chicotes sur son dos pour toi. Parce que c'est par ses maîtrissures que vous êtes guéri. Je t'explique. Tu n'as pas remarqué que quand tu as des problèmes et tu parles avec ton pasteur, il cite verset biblique, tu n'es pas content. Mais quand il te raconte sa vie et ce qu'il a expérimenté, ça te soulage. Ça veut dire que le jour où il a traversé ça, c'est à cause de toi. Donc maintenant, imaginez quelqu'un comme pasteur Mohamed. Combien de personnes il dirige dans le monde. Et combien de fois Dieu lui chicote juste pour te comprendre. Pour que lui-même, il puisse intercéder pour toi. Donc les amis, quand de temps en temps, il y a des imperfections. Quand de temps en temps, on n'est pas venu vite au deuil. Ou quelqu'un a oublié. Pardon,
comprenez. Parce que vous n'avez aucune idée ce qui s'apprend. C'est pourquoi quand c'est son anniversaire, ou c'est un temps de célébration, et on chante, et on danse, tu vois, on n'est pas fou. Quelqu'un comme Pasteur Mohamed, à son âge, à son niveau de ministère et notoriété, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner? Il n'y a pas l'argent qu'on peut lui donner. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Absolument rien. À un certain niveau de vie, tout ce que tu attends même de tes enfants, c'est juste une acclamation pour que tu aies un peu de courage pour continuer. Donc quand on chante, quand on les honore, quand on danse pour eux, quand on lui voit, on dit « Daddy, Daddy », c'est pas parce qu'on est en train d'adorer un homme. Ça vient d'où ça? Tous ces gens de faux noms là, ces gens de phrases bizarres, ça vient d'où? Oh, vous êtes en train d'adorer un homme. C'est quoi ça? À un certain niveau de vie, c'est juste, look, il n'y a absolument rien d'autre qu'on peut faire que juste acclamer un peu pour lui, pour qu'il continue, pour avoir juste un peu de force dans son cœur, pour continuer à prendre encore le chicote, les gifles, pour continuer à avancer pour nous. Pourquoi tu penses que le pays paye beaucoup d'argent pour envoyer les supporters au stade? Pourquoi tu penses? Parce qu'apparemment, après avoir fait l'entraînement et tu es prêt, le fait d'entendre quelqu'un en train de chanter chanson dans ta langue, ça met encore quelque chose dans tes muscles pour t'aider de continuer encore. Donc quand ils rentrent dans la salle et on se tient debout et on acclame et puis on crie « Wouh !» Quand on fait des t-shirts, on a mis son nom dessus. C'est son anniversaire. On a mis son nom. On a porté le chapeau, on a mis son nom. Ce n'est pas parce que c'est l'idolâtrie ou qu'on est en train d'adorer un homme. Ça vient d'où ces gens de faux mots-là? C'est notre façon à nous d'acclamer un peu pour lui, pour qu'il continue encore. Yeah, c'est notre façon à nous d'acclamer un peu pour lui. Yes. De reconnaître que nous sommes reconnaissants pour tous les sacrifices. Nous sommes reconnaissants d'avoir tracé le chemin dans le ministère pour nous. D'avoir fait un nom respectueux. Maintenant, quand tu dis que tu es des vases d'honneur, tout le monde dit, Pasteur Mohamed Sanogo, il y a cet respect qu'on a pour toi. D'avoir fait tout ce travail pour nous, qu'on acclame, c'est juste pour l'encourager de continuer encore. Alléluia. Oh. L'anniversaire d'un père spirituel, c'est un férié international. Yes. L'anniversaire, c'est un férié international. On ne doit rien se réserver. On ne doit pas se contrôler. On doit se contrôler pourquoi? Ceux qui vont au stade, est-ce qu'ils se contrôlent? Ils ne se contrôlent pas. Va au stade pendant qu'ils sont en train de crier ou chanter, décide de s'asseoir. Ils vont te jeter. Ils versent de l'eau sur toi. On te soulève, ils te jettent. Parce qu'ils se disent que c'est toi qui es en train de tuer l'atmosphère dans leur coin là. Donc tu vois, qu'on acclame un peu, qu'on danse, qu'on fait même une chanson, on met son nom à l'intérieur, c'est juste pour l'encourager. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ce n'est pas nous qui l'avions embauché, c'est Dieu qui l'a embauché. C'est Dieu qui s'occupe de lui. Mais pour tous les sacrifices, c'est pour toutes les chicotes, même moi dans ma petite vie, quand je vais aller prier, ça me prend 2 jours pour descendre. Ça me prend 2 jours pour descendre. Quand je dis descendre, c'est-à-dire que 2 jours pour que tous les problèmes, tous les stress, frustrations, des choses descendent avant que je vais commencer à dire Père au nom de Jésus. Donc quand je vois quelqu'un comme pasteur Mohamed, je me demande, hey, what pressure? C'est pourquoi quand Jésus entrait à Jérusalem, ils ont commencé à chanter et crier son nom. Et puis les fous, tu vois, c'est un esprit satanique qui demande aux gens de se taire quand nous sommes en train d'acclamer pour un héros. Va sur Facebook, allez voir comment les gens sont en train d'acclamer pour les faux héros qui sont là. Les héros qui font absolument rien pour eux. C'est parce que maman n'a pas répondu à son appel. Tu seras où? Tu seras où? S'il n'a pas répondu à cet appel de se donner, se consacrer à Dieu à ce niveau, toi et moi, on sera où? Mais les gens sont en train d'acclamer pour des faux héros. Les héros qui n'ont absolument rien fait pour eux. Tu vois, donc il y a toujours ces gens de personnes avec l'esprit pharisien. Yeah. Qui parlent et puis disent, hey, il faut que tu te... Keep quiet. Tais-toi. Vous faites trop. Non,
on a un message pour eux. On n'a pas encore commencé. Non, les amis, j'aime pas votre réponse. Hein. J'ai dit, on a une réponse. On a une réponse pour eux. On n'a pas encore commencé. Avant, là, on était en train de s'échauffer. On voulait voir ce qu'on peut faire. Mais après cette semaine, maintenant, on sait exactement ce qu'on va faire. On va clamer jusqu'on va nous demander de se calmer. On va crier, on va sauter. On va sauter comme des petits enfants. On va sauter. Yeah. Yes. Et si ça, ce n'est pas vrai, qu'est-ce que tu regardes la réponse de Jésus-Christ? Il dit, même si je lui demande de se calmer, il dit, mon Père lui-même, qui veut dire que crier pour célébrer une personne qui mérite, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Que Dieu te donne la grâce de vaincre l'esprit indépendant, l'esprit d'offense, l'esprit de passivité, l'esprit de la critique qui te donne la grâce pour le vaincre afin de rester stable, 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 stable. Que tu deviennes le type de personne que chaque fois que Dieu te regarde, tu es son enfant favori. À chaque fois, il pense à choisir quelqu'un. C'est toi. Look, les amis, ceux qui sont chefs, CEO, DG, propriétaire des entreprises et tout ça. Est-ce que tu as jamais choisi quelqu'un qui a l'habitude de te critiquer pour promotion? Hein? Est-ce que tu as jamais choisi quelqu'un? Et peut-être que vous ne savez pas. Si tu veux, localiser un DG assis ici et demande-lui s'il ne sait pas, s'il ne connaît pas les gens qui lui critiquent. Non, tu vois, quand tu es en bas, tu penses que le DG ne connaît pas des choses. Hein? Oh, il connaît. Il connaît. Il connaît. Il connaît les gens qui n'aiment pas son affaire. Il connaît les gens qui aiment son affaire. Yeah. Donc, si tu veux avancer, sois stable. Gardez ton admiration. Gardez ton cœur pur. Gardez l'allure que Dieu t'a placée, sur laquelle Dieu t'a placé. Afin que, à chaque fois, Dieu veut nommer quelqu'un, choisir quelqu'un, avancer quelqu'un, c'est ton nom qui va sortir. Au nom puissant de Jésus. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer Jésus ici avec moi? Lève ta main. Juste pour quelques secondes, tu vas lui demander, tu vas lui supplier. Tu vas lui demander, look, tout le monde, on va faire cette prière ensemble. Tu vas lui demander, Seigneur, je ne vais jamais devenir quelqu'un qui attaque mon père spirituel. Dis-lui, Seigneur, je peux tout faire. S'il te plaît. Tu vois, il y a certains péchés que, même sans la Bible, toi-même, tu te dis que ça, là, même si je ne suis pas chrétien, ça, je ne peux pas faire. N'est-ce pas? Uh-huh. Maintenant, tu es chrétien. Tu es spirituel. On va prier, on va dire, tu vois ces gens de bêtises, là. Un enfant qui s'élève contre son père. Je ne veux pas faire partie des gens qui font ça. Je ne veux pas être indépendante. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux être stable. Lève ta main et parle à Dieu. Vas-y. Vas-y, parle à Dieu. Oh, Jesus. Yes. Oh, yes. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Come on. Thank you, Jesus. Parle à lui. Parle à lui, Karuba Shatan, Ruba Stakatan. Parle à lui, Goura Bastava Kalama. Ye Malusiti Kiriangi, Shata ta 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 ta. Eya Katakata Kata. Oh yes, Kinani Mastubo. Jesus, Kamara Bastubo. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes.
rabasta katala elebe. I mala 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 mala. O rabasta katala bala 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 bala. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Kiri bianda laba. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Juste pour une minute, tout le monde, tu vas demander à Dieu de te donner, tu vois déjà la connaissance te donne un avantage. La Bible dit que quand l'ennemi va vomir vers le juste, l'esprit de Dieu montrera un étendard, va élever un étendard. Amen. Donc la connaissance et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Donc une connaissance, l'esprit de la mort a frappé toute la terre en 2020. L'esprit de connaissance a donné une solution, n'est-ce pas, qui a élevé un étendard. Yes. Donc l'esprit de connaissance, c'est l'esprit de Dieu. Déjà juste une connaissance te donne la capacité contre lui. Mais on va mettre ça toujours dans la prière. Et tu vas demander à Dieu de t'éloigner le plus long que possible de l'esprit indépendant. Dis à Dieu, Seigneur, quand on va faire la liste des gens qui sont indépendants de son berger, je ne veux pas faire partie. Je ne veux pas faire partie. Je ne veux pas faire partie. Quand on va donner, on va chercher les personnes qui sont indépendantes, c'est-à-dire qui ne suivent pas entièrement, qui ne sont 100% dedans, que ce ne soit pas l'un des gens qu'on va citer, pas moi. Lève ta voix, lève ta main et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que l'esprit indépendant n'aura jamais sa force sur moi. Il n'aura jamais, jamais sa place dans ma vie. Et loin de moi, de plus loin que possible. Le plus loin que possible. Karuba Sabrandelebe. Le plus loin que possible. Le plus loin que possible. Karuba Sataba. Remastaba toko toko divelebesite yemasa taka 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 e bara 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 basata. Oh yes, oh yes, kara bara 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 bara. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, kima la bara bara bara. Oh yes, kini bete iya 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 iya. Borobosita la bara bara bara. Seigneur, je ne veux pas être la personne qui est séparée du groupe que tu vas me mettre. Du groupe que tu m'as me mettre. Je ne veux pas être la personne qui est séparée. La personne qui est différente. Du groupe que tu vas me mettre. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Lève ta main, tout le monde. À partir d'aujourd'hui, j'enlève ton nom de toute liste des personnes indépendantes au nom puissant de Jésus. Quand le lion rugissant cherche son proie, ça ne sera pas toi au nom puissant de Jésus. Jamais on sera ensemble et quelque chose va t'éliminer ou enlever de notre groupe au nom de Jésus. 10 ans d'aujourd'hui, tu seras toujours dans cette famille. 15 ans d'aujourd'hui, tu seras toujours dans cette famille. Amen. 20 ans d'aujourd'hui, tu seras toujours dans cette famille. Amen. 25 ans d'aujourd'hui, tu seras toujours dans cette famille. Amen. Des enfants vont grandir dans cette famille. Amen. Des petits-enfants vont grandir dans cette famille. Amen. Des enfants seront pasteurs dans cette famille. Amen. Des filles seront chantres dans cette famille. Amen. Des enfants seront évangélistes, prophètes Amen. Dans cette famille. In the name of Jesus. Amen. Tout ce qui élimine les gens par l'esprit indépendant a perdu sa force sur toi au nom puissant de Jésus. Amen. Jamais, quand on va faire la liste des gens qui sont indépendants, ton nom sera inclus sur cette liste au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la prééminence, je déclare sur toi. Que si deux personnes seront choisies, c'est ça sera, tu seras, tu es forcément numéro un. Si 3 personnes seront choisies, tu es forcément numéro 1. Si 5 personnes seront choisies, j'ai dit tu es forcément, tu fais partie de ces 5. Jamais on va choisir les gens et ton nom n'est pas à l'intérieur pour quelque chose de bien. Au nom puissant de Jésus, Amen. Que les Adonai te donne tout le temps la supériorité au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort le Seigneur?
Célébrez Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Prenez une offrande de prééminence. Avant que pasteur ne vienne. Prenez une offrande avant que pasteur Gérard ne vienne. Je vais prier sur ton offrande. Ton offrande, c'est une offrande de prééminence. Prenez ça et lève ta main avec ça. Il ne faut pas venir devant. Je pense que les paniers vont circuler. Lève ta main. Juste restez assis. Lève ta main. Prenez une offrande. La prière que tu as à faire doit partir avec une offrande. Acte chapitre 10 dit, connais tes offrandes et tes prières sont montées. Wow. Et pendant que vous êtes en train de prendre votre offrande, l'équipe m'a dit que tous ceux qui avaient commandé le Macarios dimanche et même ce matin, votre Macarios est déjà sous la tente. Donc tu passes et tu récupères. Et tous ceux qui n'ont pas encore fait, voici la grâce et l'opportunité. Et de demain, c'est déjà fini. Donc vous devrez faire ton mieux. Passer, commander. Demain, avant d'arriver ici, ça sera déjà ici. Maintenant, depuis dimanche, ce matin, ce soir, j'ai vu des différentes personnes en train d'enregistrer pendant qu'on est en train de prêcher. Ça ne sera pas trop clair. Donc, je vais vous montrer où tu peux trouver tout le message. D'accord? Ça sera sur Telegram. Ok? Donc, tu vas sur Telegram, n'est-ce pas? Tu peux aller sur Telegram. Si tu ne sais pas quoi faire, il y a la com qui est derrière. Tu peux donner ton téléphone à quelqu'un. Ils vont faire ça pour toi. Mais tu vas sur Telegram et puis tu cherches. Il y a un bouton de recherche. Telegram, c'est comme WhatsApp. Si tu ne connais pas Telegram, c'est que tu es gravement en arrière. Telegram, c'est mieux que WhatsApp. 10 fois mieux, 100 fois mieux. Ok, so allez sur Telegram, tu t'inscris. Comment on fait WhatsApp? D'accord? Et puis dès que tu es inscrit sur Telegram, ou ceux qui ont déjà ça, va sur le bouton de recherche. Il y a un bouton en haut de recherche. Et puis tu écris Benny Dag Anan. D'accord? Le nom se trouve sur la fiche. Tu vas trouver Benny Dag Anan, B-E-N-N-Y. DAG, D-A-G. Avant d'arriver même sur le DAG, collé, hein, il ne faut pas séparer. Ce n'est pas Béni et puis DAG. Béni, DAG, collé. Tu verras Béni, DAG, Anan, audio. Right? Ça va sortir. Si tu as des difficultés, parlez avec les gens qui sont derrière, les amis qui sont derrière, on va t'aider. Et tu peux t'abonner. Le message depuis premier culte, samedi, est déjà là. Premier culte, deuxième culte, troisième culte, et même le culte de boss. Et déjà là, il y a certaines personnes, on était en train de parler de certaines choses, c'est comme si tu es perdu. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été dites pendant le culte des boss, fantastique, que vous devrez écouter. Et surtout ceux qui étaient là, je sens que c'est un message très important, tu dois écouter et réécouter encore et encore et encore. Alléluia. Et même ce soir, jusqu'à minuit, le message de ce soir sera déjà déposé là-bas. Amen. Amen. Et si tu vas en haut, tu verras partout où j'ai prêché, à ICC, même dans toutes les églises vases d'honneur. Je pense que cette année, j'ai passé beaucoup plus de temps dans les églises vases d'honneur. Partout dans le monde. Et dans quelques semaines, j'essaierai encore dans une autre église vases d'honneur, quelque part dans le monde. Donc partout, tu peux te suivre et juste écouter. La foi vient par ce qu'on entend. La foi pour être stable, n'est-ce pas, pour être quelqu'un engagé et dévoué, ça vient par entendre ce genre de messages qui va te rendre encore plus stable et plus dévoué à servir Dieu. Amen. Lève ta main avec ton offrande de prééminence. Seigneur, voici la sémence. Selon la loi de ta déclaration, dès le moment où une sémence est plantée, la date de moisson est calculée. Je déclare que par toutes les sémences que nous avons dans notre main, notre moisson sera énorme au nom puissant de Jésus. Une fois encore, je déclare, si deux personnes seront choisies, un est forcément la personne qui est assise ici. In the mighty name of Jesus. Plus jamais la liste des bonnes choses sera faite et le nom de quelqu'un ici ne sera pas sur cette liste. Que Dieu te donne toujours la prééminence au nom puissant de Jésus. Qui te favorise, qui te choisit et qui te maintient toujours en haut et jamais en bas. Au nom suprême de Jésus. Amen.